devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour un Colisum, donc un Colisum sur la méta avec mon Ecaflip de Pou. Et oui, car moi j'aime mon Ecaflip de Pou. Et vous pouvez voir qu'en face il y a quand même du très très gros niveau avantage composition. Et. What? Et puis on s'en fout. Et à un moment donné, eh bien on s'en bat les couilles. On va quand même le faire pour vous montrer du Dopu. Alors, j'ai hésité, j'ai vu qu'il avait abandonné, j'ai hésité à pas record, mais bon, on s'en fout, c'est le jeu. Alors là, déjà, je vais faire en sorte de pas gaspiller. Ah, c'est bon, j'ai rush. C'est le truc, est-ce que je vais réussir à rusher ou est-ce que je vais pas réussir à rusher? C'est bon, j'ai réussi à rusher. Pour vous montrer un max de Dopu, on va faire du Dopu. Bon, il y a quand même Feka, donc ça risque pas d'être très très puissant, j'ai envie de dire. Donc on va quand même faire la compo des équipes. Donc de mon côté, j'ai un double Kra, Eltarion du serveur Farl, et un autre Kra du serveur Otome, P. Donc oui, celui-là s'appelle P. T'as trouvé un super nom. Je peux troller. Et en face, on avait un Edutrof que voilà qui a abandonné, et ça lâche. Et en face, on a après un Feka T-Shield du serveur Domaine, 199, 11.5, pas beaucoup de vitalité. Et Amplimage du serveur Silhouette, un Yop 200. Pas beaucoup de vitalité lui non plus, surtout du Rox. Par contre, il fait très 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 mal. L'épée de jugement là qui fait du gros dégât. La question qui se pose, c'est est-ce que je vais être capable de faire du Dopu? Et la réponse est que oui, je vais être capable d'aller faire du Dopu. Tout simplement, parce qu'il s'est très très bien placé. Donc j'hésite soit à taper sur le Feka, soit sur le Yop, sachant que le Feka est un peu plus chiant. C'est celui-là qu'il va falloir eh ben, absolument taper. Je me demande même s'il n'est pas sous une IMU. Je vais aller vérifier ça. Non, il n'est pas sous IMU. Et le Yop n'est pas sous IMU non plus. Bon, ils vont vite comprendre leur douleur. Alors, le Feka, lui, est vraiment... c'est celui qui a vraiment le moins de vitalité. Une petite roulette 58, bon, d'accord. Du coup, bah, c'est celui qu'on va vraiment taper un maximum. Donc, vous voyez, 400 de Dopu. Allez, Dopu. Une petite fellation. Du 308 au Dopu. Un destin. Hop, allez, du Dopu. Et une chance. Allez, hop là. On fait du Dopu. Et on se met sous la chance des Ecaflip. Bon bah voilà, c'est juste pour montrer du Dopu, car j'ai envie de montrer du Dopu. Bon, c'est combat gagné d'avance du coup, hein. J'ai hésité à vous le filmer, mais bon, c'est du 3 vs 2. J'ai envie de dire. Alors là, un petit régène à l'attaque naturelle, un autre petit régène, allez. Vive la moule. Yeah, check it. Oh yeah. Et les crabes qui peuvent rester en retrait parce que je fais tout simplement le travail. Et oui. Donc là, flèche empoisonnée, c'était plutôt bien joué de sa part tout à l'heure au cra. Et fait des flèches explosives qui font quand même assez mal, hein, du 200 en zone. Donc c'est appréciable. Et là, ils ont pris quand même pas mal de dommages au niveau de mes dopous. De mon côté, le Yop qui va pouvoir me faire quand même peut-être très très mal. Voilà, là, il va me taper du 500. Du 1438, là par contre ça devient autre chose, ça devient même limite dangereux pour moi. Et voilà, du très très bon soin à l'épée céleste, vu que ça me régène du 1000, ça m'a tapé du 1600, donc c'est un peu mon IMU à moi. J'ai envie de dire, c'est mon mini IMU. Là, je vais tout simplement pouvoir aller gangbang. Soit le cra est intelligent, il me dispé moi vers la droite. STP, on va lui dire ça. Ah bon, bah il a dispé le FK. GG. C'est bien aussi, c'est bien. C'est bien joué de sa part. Et du coup, bah, on va pouvoir aller encore faire du Dopu. Dopu. Là, par contre, la glyphe, elle me fait assez peur. Ça risque de faire mal.
Ouh. En plus, une roulette 400 intelligence. Ça ne rigole plus. Donc, on va aller taper sur la gueule de ce féca. Et on va aller tout simplement se faire un contre-coup pour survivre au prochain tour. Et du coup, aussi, voilà, on va se protéger et sortir de cette glyphe. Là, le féca qui prend des grosses flashs empoisonnées, deux flashs empoisonnées, 296 et 274. Ça lui fait un total de 564. Et là, le féca qui est plus qu'à 248 points de vie. Je pense qu'il y aurait eu les Nutrophes en face, et bien tout simplement, ça aurait été complètement un autre combat. Hein. On aurait pris plus cher, on aurait eu des maladresses, des envoûtages, etc. Il n'y a pas trop de joie à avoir, mais bon, c'est du Rox, on aime le Rox, on aime la chatte, c'est le jeu de l'Ekaflip. Et voilà, le Féca qui succombe à ses blessures. Et là, bah, ça va être gangbang pour le Yop. Hein. Le Yop, voilà, il se prend des flèches explosives à moins 458, des flèches glacées à moins 339. Pareil pour P. Donc là, il va essayer de venir me taper pour montrer un peu qu'il est capable de faire quelque chose. Voilà, des épées célestes à 279 à peine. Ouh, il est plus boosté ce Yop, je pense. Et P qui va peut-être pouvoir le finir. P. Là, il me fait des. Il s'est précipité. Il va me faire sûrement un. Ah non, il va faire un bond, une maîtrise. Ouh, il est bizarre ce Yop. Ouh, ouh, petit coquin. Et P qui va pas pouvoir faire grand-chose. P. Allez, P, vends-nous du rêve. P qui fait du moins 100. Pourquoi pas? Un œil de taupe, des flèches ralentissantes. Peut-être encore une autre flèche ralentissante de la part de P. Oh, une flèche explosive à moins 268. Ah, bien vu, P. Tu sais que je t'aime, P. Alors, nous, ce que l'on va faire. 5, 6, 7. Oui, nickel.